Scientifique sur le jeu et ses enjeux. Au sommet de cette édition, plusieurs voix se feront entendre. Celle de Bernard Franco, président du GIS Jeux Société. Samuel Vincingel et Noémie Roch viendront nous parler du programme de leur journée d'études. Puis Michel Boris et Léa Martinez présenteront Gaming Lab et ses actions. Mais tout d'abord, je vous propose, comme à l'accoutumée, un tour d'horizon de l'actualité de la recherche sur le jeu. Jusqu'en décembre, le séminaire d'études sur les plateformes et l'histoire des jeux vidéo Input, Poke and Save continue. La prochaine session du 28 octobre, à 15h, donnera la parole à Douglas Cédric Stanley. Locus Ludi, le programme ERC sur l'étude des cultures ludiques de l'Université de Fribourg et animé par Véronique Dazen, poursuit quant à lui, jusqu'à fin octobre, son webinaire hebdomadaire. Rendez-vous donc tous les mercredis, de 16h à 17h30, en présentiel ou en ligne. Jeudi 7 octobre, notre groupement d'intérêt scientifique Jeux Société organise sa journée d'études intitulée « Jeux de mots, jeux d'esprit ». Bernard Franco, professeur de littérature générale et comparé à Sorbonne Université et président du GIS Jeux Société, nous présente l'événement. Cher Bernard, bonjour. Notre journée d'études approche à grands pas. Pouvez-vous nous la présenter ? Merci Boris, merci de tout ce que vous faites pour le GIS Jeux et Société. Donc cette journée d'études est la troisième édition de nos rencontres autour du jeu. Nous avions eu un premier grand colloque en Sorbonne en 2019, puis une journée d'études dans nos locaux du campus Condorcet en 2020, qui cette fois accueillait des jeunes chercheurs. Et là, cette troisième édition portera sur jeux de mots et jeux d'esprit, permettra de faire se rencontrer des jeunes chercheurs et des chercheurs confirmés issus de différentes disciplines, de beaucoup de disciplines différentes comme la sociologie, la psychologie, l'ethnologie, la littérature, la linguistique l'histoire également, bien sûr, la psychologie, toute une série de disciplines qui permettent d'appréhender l'esprit humain et de comprendre la place du jeu dans l'esprit humain. Et la problématique qui est posée cette année sur les jeux de mots et les jeux d'esprit permettra de montrer comment l'esprit humain se saisit des mots, se saisit du langage et plus généralement des comportements humains pour en faire son jeu et aussi réfléchira aux significations de ce jeu et à leur importance pour notre compréhension de l'humain. Merci Bernard. Un petit aperçu du programme de cette journée ? Oui, donc il y aura 8 communications. Je ne vais pas citer tous les noms qu'on trouvera sur le site, mais on pourrait citer comme exemple l'intervention d'Elisabeth Belmas, qui est professeure émérite à Sorbonne Paris Nord, qui présentera une approche historique en mettant en relation le jeu de mots et le jeu d'esprit avec le jeu social. Elle se trouve donc au cœur de la problématique de notre GIS, qui s'intitule donc « Jeux et société » et qui réfléchit aux différentes approches de sciences humaines et sociales sur le jeu, c'est-à-dire au jeu comme objet social. À côté d'elle, il y aura Thierry Van Lien, par exemple, qui est un ethnologue du CNRS, très connu pour ses recherches sur le jeu, ou encore une jeune docteure de littérature comparée, Hélène Cellier, qui est en même temps un narrative designer au studio The Seeds Crew et qui parlera d'un jeu vidéo qui s'intitule « 7 jours, 7 lieux, 7 vies ». Il y aura aussi une approche de sciences de l'éducation sur un jeu de psychoéducation qui s'intitule « Tadaa », présenté par Stéphanie Van Valleghem et Rafika Zebdi, qui sont des jeunes docteurs de l'Université Paris-Nanterre. Donc, vous voyez, ça rassemble des chercheurs qui viennent des universités partenaires du GIS, mais les intervenants proviennent également d'autres institutions.
Voilà, donc je profite de cette occasion pour inviter chacune et chacun à nous rejoindre. Donc, la journée d'études aura lieu le 7 octobre à Campus Condorcet, dans nos locaux. Il faudra, compte tenu de la prudence sanitaire, s'inscrire. Et les modalités d'inscription figurent sur notre site, hein, le site Ludocorpus. Donc, vous pouvez toutes et tous nous rejoindre en vous inscrivant sur le site. Merci en tout cas, et je me réjouis de cette journée d'études. Dédiée aux jeux vidéo, la troisième édition du festival La Science entre en jeu se déroulera du vendredi 22 au mardi 26 octobre prochain. Découplé en deux parties, une game jam et des entretiens, l'événement réunira chercheurs, designers, développeurs de jeux vidéo, mais aussi professionnels du secteur autour de la thématique de l'histoire et de la géographie. Troisième temps fort événementiel ce mois d'octobre, la journée d'études créateurs et créatrices de contenu sur Internet, qui se tiendra à la Maison de la Recherche, Paris 5e, le 22 octobre. Samuel Vansingel et Noémie Rock viennent nous en parler. Bonjour Samuel, bonjour Noémie. Bonjour. Bienvenue sur Ludocorpus et sur notre chaîne d'entrée de jeu. Pouvez-vous vous présenter? Alors, pour ma part, je m'appelle Noémie Rock. Je suis doctorante en sciences de l'éducation au laboratoire Experis, Université Sorbonne Paris-Nord, sous la direction de Vinciane Zaban et de Gilles Brougère. Et je travaille sur les loisirs numériques ou traditionnels des adolescents en milieu rural. Très bien. Et donc, bonjour, moi c'est Samuel Vansingel. Je travaille également en thèse au laboratoire Experis et au Lab Exica. Sous la direction de Gilles Brougère et de Vincent Berry, et moi je m'intéresse dans mes recherches sur la production de la valeur et du spectacle sportif au travers des sports de jeux vidéo qu'on appelle plus communément le sport électronique ou l'e-sport. Voilà. Dans notre journée d'études, on également participe à l'organisation Quentin Gervasoni, également du laboratoire Experis et du Lab Exica, qui travaille donc sous la direction de Vincent Berry et de Pascal Garnier sur les fandoms de Pokémon sur Internet, donc les personnes qui sont fans de la licence Pokémon et donc de la réception de la communication de l'entreprise vers les fans. Et il y a également un co-organisateur, Tristan Dominguez, au laboratoire IRCAV à Paris 3, qui travaille donc sur l'économie du cinéma et qui est également au Labexica. Vous êtes les co-organisateurs de la journée d'études créateurs et créatrices de contenu sur Internet qui va se dérouler le 22 octobre prochain. Que va-t-il se passer dans cette journée? Quelle est la programmation à laquelle on peut s'attendre? Alors nous avons décidé de distinguer trois grands axes dans cette journée. Bien sûr, les axes vont communiquer entre eux. Mais donc, par souci de commodité, on va commencer en premier par la question des trajectoires et des compétences qui sont mobilisées par ces créateurs de contenu en ligne, en tentant un petit peu de l'articuler à la question du loisir, loisir-travail, travail-loisir. Samuel en dira un mot juste après. Dans l'après-midi, on va plutôt s'intéresser sur les questions de quotidien, d'insertion du travail et de ses productions dans le quotidien, et surtout dans la mise en visibilité de l'intime. Qu'est-ce qu'on accepte de montrer, ou au contraire, qu'est-ce qu'on essaye de garder le plus secret possible. Et pour terminer cette journée, on fera un petit tour du côté de la présentation de soi, donc c'est de la production en fait de soi. Comment est-ce qu'on va pouvoir mobiliser des compétences pour se créer un être authentique? Voilà, donc de manière générale, la journée qui se centre donc sur les créations et sur, enfin, moins sur les créations que sur les créateurs et les créatrices qui sont derrière ces créations, veut explorer en fait le lien ou les passerelles entre le loisir, le jeu et la production, et la professionnalisation plutôt. Comment est-ce que on peut tirer profit en fait d'une petite notoriété sur Internet? Que ce soit économique, symbolique ou social, comment on peut marchandiser, comment on peut réunir aussi, sous une figure, sous une étiquette de création. Justement, Samuel, vous venez de parler du jeu dans cette journée. Quelle va être la place du jeu et du ludique dans la programmation, dans les interventions? Alors, la place du jeu et du ludique
traverse en fait les interventions et la journée d'études sans en être totalement au centre tout le temps. Par exemple, d'entrée de jeu, dès la première intervention, on aura Quentin Gillotte et Emmanuel Guittet qui vont aborder donc les jeux de tarot et la prédiction. On a là donc quelque chose qui peut être pris comme un jeu de cartes, mais en même temps comme une activité sérieuse pour ceux qui s'y adonnent. Ensuite, on aura Anaïs Garestier qui a composé son corpus d'enquêté à partir des plateformes de YouTube ou de Twitch, qui est donc une plateforme où sont centrées la création autour du jeu. Également, je vais présenter donc une partie de mon terrain sur les sports électroniques avec les commentateurs de tournois associatifs. Puis on aura quelqu'un de connu déjà au GIS, Nathan Ferré, qui va nous parler de l'avancée de sa thèse sur Twitch comme un dispositif biographique de narration de soi. Donc Twitch, qui est la plateforme donc privilégiée pour la création de contenu autour du jeu vidéo. Puis Noémie, ici présente, qui va donc aussi aborder quelques productions des adolescents qui se tournent sur le jeu au travers de TikTok, Instagram, etc. Également dans la journée, donc il y a Quentin qui va pouvoir discuter au travers de son terrain sur Pokémon, mais d'autres personnes qui peuvent être habituées du GIS ou donc de notre laboratoire, comme Vinciane Zaban qui travaille sur les industries vidéoludiques, ou Samuel Coavou qui a donc travaillé sur les streamers de jeux vidéo avec Noémie justement. Peut-être peut-on souligner que de manière plus globale, cette question du jeu avec l'image, du jeu avec son image et aussi du ludique, traverse en fait non seulement les objets d'études comme le tarot ou un jeu vidéo en particulier, mais au contraire l'organisation de ces plateformes, Twitch par exemple, qui va proposer une sorte de tutoriel gamifié. Donc voilà, où on peut débloquer des succès en augmentant à chaque fois sa notoriété. Ou TikTok, dont le fonctionnement est littéralement une question de reprise, de détournement, en fait, de contenu relativement populaire, ou autre. Donc voilà, on a quand même ces deux dimensions qui vont s'articuler dans cette journée. Revenons un petit peu à présent sur l'origine, sur le pourquoi de cette journée. Comment est venue l'idée de la journée, sa programmation, sa construction finalement? Alors, que ce soit dans mes propres travaux, dans ceux de Samuel, de Quentin ou de Tristan, en fait, cette question de production de contenu en ligne existe. Elle n'est pas centrale dans nos travaux, mais on ne peut pas faire sans. On est obligé de la prendre en compte. Et donc, voyant qu'elle était quand même assez transversale, on s'est dit que ce serait une bonne idée, à côté de nos propres travaux, de pouvoir la développer. Et en l'occurrence, on n'a eu absolument aucun problème à trouver des intervenants qui travaillaient ces questions-là, ce qui montre bien quand même que ces questions qui paraissent nouvelles, en fait, ne sont pas tant que ça d'une part, et d'autre part, en fait, qu'elles intéressent et qu'on peut les retrouver dans plein d'autres disciplines et travaux, du coup. Pour finir, vous pouvez retrouver la journée d'études, son planning, son programme donc, et les liens d'inscription sur le site Hypothèse que nous avons créé, qui est donc créacontenu.hypothèse avec un s.org. Vous retrouverez donc la liste des intervenants, des discutants, sachant donc pour précision que l'inscription est obligatoire. Et que ça se déroulera donc à Paris, à la Maison de la Recherche, le 22 octobre prochain, à partir de 9 h. Merci à tous les deux et à très bientôt le 22 octobre. Merci. Abonnez-vous. Et abonnez-vous surtout, c'est vrai, c'est très important. Les appels à communication ne sont pas en reste puisque deux événements se profilent. Une journée d'études sur jeux, religion et questions de société, organisée par Culture et Monde Ludique, le groupe de recherche sur le jeu de l'Université de Strasbourg. L'événement est prévu pour le 2 décembre 2021 et l'appel à contribution est ouvert jusqu'au 15 octobre. Ensuite, c'est un colloque dédié aux Micro Game Studies ou les petites choses vidéoludiques qui est prévu pour les 7 et 8 avril 2022 à Lyon. Martin Ringo, Esteban Giner, Rémi Cayatte et Laura Goudet, organisateurs de l'événement, propose un appel à communication ouvert lui aussi jusqu'au 15 octobre.
Michael Le Bourris, Head of Asmodee Research, et Léa Martinez, chargée de recherche et doctorante, nous parlent aujourd'hui de Gaming Lab, le programme de soutien à la recherche sur le jeu de société, cofondé par Asmodee Research et l'Innovation Factory. Ils ont répondu à notre invitation pour nous parler du programme de recherche, des temps forts de la saison précédente et annoncer les projets à venir. Bonjour Michael Le Bourris, bonjour Léa Martinez, bienvenue sur Ludocorpus et sur notre chaîne d'entrée de jeu. Pouvez-vous vous présenter votre poste, votre parcours au sein du Gaming Lab? Bonjour à tous, merci pour cette invitation. Du coup, moi, c'est Michael Le Bourris, mais tout le monde m'appelle Micha dans le milieu professionnel et même amical. Moi, j'ai fait un parcours universitaire en neurosciences qui s'est terminé par un doctorat en neurophysiologie. Et par volonté et par passion, j'ai décidé de mettre la science entre parenthèses et d'aller dans le monde du jeu par passion. Je suis rentré chez Asmodee en tant que chef de projet en 2016. Et une chose entraînant une autre, il y a eu cette idée de développer ce lien entre le monde professionnel et le monde de la recherche. Donc, on a initié Asmodee Research en 2018 avec notre premier projet Gaming Lab en 2018. Et c'est comme ça que la science m'a un petit peu rattrapé avec ce projet global de promouvoir les valeurs sociétales du jeu. Et donc, je me présente à mon tour. Je suis Léa Martinez. Alors, moi, de mon côté, j'ai fait un master de recherche en psychologie et en neurosciences. Et donc, suite à l'appel à projet donc, de thèse Gaming Lab, auquel donc, j'ai répondu avec mes directeurs de thèse, je suis aujourd'hui doctorante en psychologie donc, au CERCA. C'est le Centre de recherche sur la cognition et l'apprentissage à Poitiers. Donc, je suis doctorante depuis fin 2020. Et donc, mon projet de thèse qui porte sur les jeux de société et la cognition est donc soutenu et financé par Asmodee, grâce donc à ce programme de soutien à la recherche qui est Gaming Lab. Et en parallèle, je fais aussi partie de l'équipe donc d'Asmodee Research, dans laquelle je suis chargée de recherche. Alors justement, vous venez évidemment de parler de Gaming Lab, du projet. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur l'origine du programme et puis quelles sont aujourd'hui ses missions, ses axes d'action? Avec plaisir. Aujourd'hui, Gaming Lab, c'est surtout le développement du soutien à la recherche sur le jeu de société. Vraiment faire en sorte qu'il y ait plus de données qui émergent, qui se développent, parce que le jeu de société devient de plus en plus important dans les pratiques. Donc, on a divisé nos objectifs et nos missions en deux. Un, le soutien financier des projets de recherche, des projets internationaux, d'une part, avec un appel à projets vraiment ouvert au monde entier, ce qui permet de soutenir 4 à 5 projets par an, et des bourses de thèse, CIFRE, donc là dans un périmètre francophone. Et l'idée, c'est de lancer une thèse par an également, dont Léa est notre première étudiante. Et notre deuxième objectif, c'est de créer des espaces d'échange entre le monde académique, le monde professionnel, le monde de l'industrie du jeu et aussi les passionnés, pour essayer de diffuser ce savoir, de créer des interactions entre ces différents parties prenantes. Voilà, en fait, comme l'a souligné Micha déjà, aujourd'hui, on a beaucoup de données scientifiques sur les jeux vidéo, mais au final, très peu sur les jeux de société. Alors pourtant, il y a un intérêt grandissant sur ce type de jeu, et ce, dans toutes les disciplines. Donc, un des objectifs aussi de Gaming Lab, c'est vraiment de développer la recherche sur le jeu de société, d'avoir beaucoup plus de données à ce propos dans le domaine des Game Studies, et donc de pouvoir légitimiser justement ce produit qui est le jeu de société. Alors justement, Léa, Micha vient de parler des appels à projets de Gaming Lab. Quelle était la cuvée ou les lauréats de l'année 2021? Est-ce que vous avez quelques exemples à nous donner? Oui, bien sûr. Alors, en fait, en 2021 comme en 2020, finalement, on a 5 projets internationaux qui ont été retenus. Je peux les lister très rapidement. On a un projet belge donc qui va porter sur l'utilisation des jeux de société dans l'animation et la formation socioculturelle. On a un projet américain sur l'apprentissage des sciences grâce aux jeux de société. On a un projet anglais aussi sur l'utilisation donc des jeux de société pour la prise de conscience des enjeux climatiques. Un projet brésilien sur les jeux de société narratifs et la communication chez les jeunes adultes. Et finalement, un projet australien sur la perception, des outils digitaux qui sont utilisés dans les jeux de société hybrides. Et ce qui est intéressant avec ce dernier projet, c'est qu'en fait, il fait écho à un projet qui avait été sélectionné en 2019 et qui a permis de donner lieu donc à une classification des outils digitaux utilisés donc dans les jeux de société hybrides.
Micha, pardon, une précision sur pour 2022? On prend les mêmes et on recommence dans le sens où c'est une formule aujourd'hui qui s'est installée depuis quelques années. Donc pour 2022, on va vraiment garder le même procédé. On va avoir un appel à projet sur notre site internet avec un horizon très large où toutes les thématiques sont les bienvenues. Peut-être qu'un ou deux thèmes seront suggérés pour répondre à notre volonté d'avoir cette vision à 360 sur tous les sujets qui pourraient intéresser les Game Studies sur le jeu de société. Les dossiers sont donc reçus et sont évalués par notre comité scientifique qui est vraiment dédié à Gaming Lab et à analyser la qualité scientifique et à garantir l'éthique du projet. On aura à peu près la même enveloppe aux alentours de 50 000 euros pour soutenir ces projets avec 10 000 euros qui viennent de notre partenaire, la Fondation d'entreprise Labilude, qui finance spécifiquement des jeux sur le développement de la jeunesse. Donc ça nous fait une spécificité à notre appel à projet. Et la petite modification qu'il y aura pour 2022, c'est au niveau du timing. On va légèrement décaler notre appel à projet qui s'ouvrait plutôt en début d'année. Là, on va le reporter au printemps pour avoir une sélection sur l'été. Cette raison, c'est notamment pour bien décorréler nos deux appels à projet. Ceux pour les chiffres se font en début d'année et là, pour l'appel international, ce sera plus sur la deuxième partie d'année. Quels ont été aussi les autres temps forts ou les autres axes de déploiement sur la saison passée? Clairement, les conditions actuelles nous ont poussé à nous adapter, et notamment au niveau de notre communication et notre événementiel, où on a dû digitaliser tous nos événements. Ça a été un petit peu une contrainte, mais ça nous a également permis de faciliter notre ouverture à l'international pour créer des événements internationaux avec des communautés locales, mais de façon digitale. On a commencé l'année avec notre second symposium. On avait fait le premier en 2018 pour inaugurer le lancement du projet. Là, en janvier 2021, on avait fait un second qui permettait de présenter un peu l'ensemble des projets de recherche, le panel qu'on avait pu soutenir jusqu'à présent. Donc, chaque chercheur a pu présenter l'état d'avancement ou l'initiation des nouveaux projets sélectionnés. Donc, ça a été une grosse journée dédiée aux chercheurs Gaming Lab en janvier 2021. Et en mars, on a initié notre premier cycle de conférences. L'idée était vraiment d'avoir un thème unique qui était le jeu de rôle cette année et de pouvoir challenger ce thème à travers le regard de différentes communautés. Donc, ça a été en France, en Angleterre, en Italie, au Canada, aux US, au Japon récemment et au Brésil prochainement. Et c'était de regarder du coup cette thématique-là sous des sous-thèmes spécifiques et de pouvoir avoir un regard très, très complémentaire entre nos différents projets. Cet été, on a eu notre plus gros événement également organisé en partenariat avec Analog Game Studies, donc le journal américain, qui a permis de réunir plus de 30 participants et 3 keynotes. Donc, ça a été vraiment un moment fort. Et bah, vu que tout a été digitalisé cette année, l'idée était vraiment de pouvoir capter un maximum ces événements, de pouvoir les partager sur les réseaux et sur YouTube, par exemple. Voilà, donc finalement, tout ça, c'est notre planning événementiel. On a aussi donc l'appel à projet international qu'on évoquait tout à l'heure, mais on a aussi l'appel à projet donc pour les thèses CIFRE, dont voilà, je peux parler un petit peu plus en détail parce que ça fait vraiment partie aussi des projets fondamentaux du programme Gaming Lab. Eh bien, écoutez, Léa, justement, est-ce que vous pouvez, étant donné que vous suivez une thèse CIFRE, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus en détail et quel est le principe de la thèse CIFRE et vous, dans votre cas, quel est le sujet de votre thèse? En fait, une thèse CIFRE, c'est une thèse qui est réalisée dans un laboratoire de recherche et qui est soutenue et financée par une entreprise avec l'aide de l'État. Donc, en fait, les doctorants en CIFRE, ils sont salariés de l'entreprise et ils partagent leur temps de travail entre leur labo donc de recherche et l'entreprise qui les soutient. Une thèse CIFRE, ça dure toujours 3 ans. Moi, la mienne, elle a commencé fin 2020. Elle finira donc fin 2023. Là, je débute ma deuxième année. Mon projet de thèse, il porte sur l'impact donc de la pratique des jeux de société sur le développement des fonctions cognitives. En fait, notre objectif, c'est de mieux comprendre comment les jeux de société vont avoir un effet donc sur les fonctions en particulier exécutives. C'est en fait des fonctions mentales qui permettent de nous adapter au quotidien et qui nous permettent d'apprendre aussi. Et on va s'intéresser donc à ça chez les adolescents, mais aussi chez les adultes. On va s'intéresser donc en particulier aux mécaniques de jeu, à la
digitalisation des jeux de société et quel effet ça peut avoir donc aussi sur les apprentissages. Et donc, comme je l'ai dit au début, je travaille donc en parallèle pour Asmodée dans l'équipe donc d'Asmodée Research qui soutient donc cette thèse. Et justement, Michael, est-ce que d'autres thèses chiffres sont prévues? On l'a déjà un peu évoqué, mais oui, l'idée est d'avoir un appel à projet par an, d'avoir un thésard, un étudiant en thèse chaque année, et d'avoir en parallèle, du coup, au sein de l'équipe d'Asmodée Research et du programme Gaming Lab, un étudiant en première année, un étudiant en deuxième et un étudiant en troisième. L'idée, c'est au sein de cette équipe, de pouvoir bénéficier des expériences passées des uns des autres et surtout de faciliter la mise en route des projets, mais également des missions d'entreprise. Le contrat chiffre a cet intérêt d'avoir un pied dans le monde académique et un pied dans le monde industriel, mais ça fait, n'empêche, deux réseaux, deux fonctionnements à appréhender et à comprendre. Donc, c'est vrai de pouvoir partager, de pouvoir avoir des passations entre les missions d'entreprise, entre les différents étudiants en thèse. C'est quelque chose qui est intéressant et qu'on est en train de mettre en place petit à petit. Donc Léa est arrivée l'année dernière et là on attend la réponse officielle de la NRT pour notre deuxième étudiant qui a été sélectionné et donc on a soumis le dossier et donc on attend la validation du dossier pour commencer officiellement la thèse. Et donc ce serait une thèse menée par Michael Freudenthal qui sera rattachée au laboratoire Experis de l'Université Sorbonne Paris-Nord sous la direction de Gilles Brougère et de Vincent Berry. Et son thème de recherche, son étude portera notamment sur les jeux narratifs et là les apprentissages informels qu'on peut faire lorsqu'on joue, qu'est-ce qu'on apprend, comment on apprend, par qui on apprend. Donc voilà, ce sera relation entre le narratif et les pratiques ludiques. Écoutez, nous ne manquerons pas de suivre ce beau projet qui s'annonce, et puis aussi la suite de la thèse de Léa, bien sûr, sur Ludocorpus. Dernière, ultime question pour ouvrir cette interview. Un aperçu de la saison qui s'ouvre, de cet automne et puis de 2022? 2022 s'annonce tout aussi riche que 2021. Déjà en janvier, il va y avoir l'appel à projet pour les bourses CIFRE qui va s'ouvrir, justement pour venir compléter ce trio d'étudiants en thèse qu'on souhaite avoir. L'idée, ce sera que la sélection se fasse au moment du printemps et que le début de thèse se fasse à l'automne. Donc, on a calé ces dates pour respecter le planning universitaire des étudiants au mieux. Et après, il y aura l'appel international, comme déjà discuté, qui sera ouvert au moment du printemps pour une sélection au moment de l'été. Et donc, au niveau plutôt de la médiation, on espère là pouvoir reprendre justement les événements en présentiel, avec notamment le Festival international des jeux donc à Cannes qui aura lieu fin février. On prévoit aussi donc un second cycle de conférences qui se déroulera de mars à octobre 2022, donc avec les mêmes partenaires qui seront impliqués, mais un nouveau thème donc sur lequel on travaille actuellement. Et on aura notre troisième symposium Gaming Lab qui viendra donc conclure cette année 2021, 2022, pardon. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette interview et puis à très bientôt sur Ludocorpus. Merci à vous. Merci, à bientôt. Pour celles et ceux qui nous regardaient depuis notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner afin de recevoir les nouveautés dès leur diffusion. Merci et à bientôt sur Ludocorpus.